Salut, bienvenue sur Triforce TV pour une nouvelle vidéo Isaac Repentance. Et c'est ce Polaroid, ce foutu Polaroid, on va l'avoir quand même. Alors Isaac, maintenant elle décise, donc j'ai envie de le jouer parce que les runs Isaac ça a été un carnage. Enfin, toutes celles que j'ai faites que vous n'avez peut-être pas vues sur YouTube parce qu'elles sont pas forcément publiées. Mais voilà, et tout de suite la item room. Non mais moi je connais pas ce truc. Mais si! Si, en plus je l'ai déjà eu! Donc des larmes magnétiques. Attends. Ah si! J'étais en train de me dire, mais on peut pas les pousser, ils sont dans le coin, mais si! Attends, le son est pas très fort là. Ouais, c'est mieux! C'est bien mieux! On va essayer de prendre notre temps, mais pas trop en fait. Pour pas que les runs durent trop longtemps. Parce que je crois qu'il y a une dernière vidéo sur YouTube, là, elle durait 1h20. Toujours la gomme et le tarot de Klaus qu'on voit assez souvent. On est d'accord que le D6 là ne reroll pas les objets du magasin. Donc voilà, maintenant Isaac démarre avec ce D6 qui reroll les objets piédestaux. Ah oui, ça crée des ennemis magnétiques du coup. Mais, oh là là, les Burning Basement, c'est pas du plaisir, mais loin de là. Très loin de là. Mais bon, avec du déplacement, on arrive à gérer. J'ai une bombe pour le rocher marqué. Je vais attendre un peu, on sait jamais. Hein. Bon, on sait jamais rien. Et salle de sacrifice, non. Mais, pour peu qu'il y ait plein de cœurs... Ça pourrait être tentant. On va voir. Surtout que c'est un cœur entier les pics. Donc ouais, j'ai failli faire une grosse connerie là. Je sais pas si le lot de stone était une bonne idée, hein. Vraiment. Parce que rendre les ennemis magnétiques, c'est... J'y ai pas vu un intérêt tout à l'heure avec les petits sauteurs, là. Les sauteurs brûlés. Oh, putain, je l'ai pas vu venir. Ça commence déjà. Qu'est-ce qu'il a, le bleu foncé, là? C'est des mouches? Ah oui, c'est des mouches. Ah là, déjà lui là, déjà Death. Enfin, je crois que c'est Death. Ah non, c'est pas Death. Ce n'est pas lui, c'est encore un fou. Sur son cheval. J'aurais dû regarder, je suis con aussi. Je passe les intros des boss, mais. Ça aide pas à savoir qui c'est. C'est les réflexes. Alors maintenant, il est magnétique. Ah si, il attire quand même les petites mouches. Bon, on va voir avec le boss, hein. Est-ce qu'on peut reroll avec lui? Parce que si l'objet est nul... Et voilà, super. Ça commence déjà à ne pas savoir esquiver des larmes aussi simples. Isaac, je sais pas le jouer, je sais pas pourquoi. C'est un orbital quand même qui protège. Hein. On va pas faire notre fine bouche. Je vais aller à la salle de sacrifice. Il y a un rocher marqué. On ne l'oublie pas. Vu qu'on a une bombe. Ah, génial. Ah, de la speed. Bon bah une pièce, c'est pas fameux. I feel blessed. Ça, ah, ça peut potentiellement dans le prochain étage faire popper une God Room. Plutôt qu'un Devil Deal. Allez. Bon, le début est un peu étrange, mais bon, c'est pas grave.
Ah non, 100% de Devil Deal. Bon, j'ai plus de bombes, plus de clés, donc ça va être... Ah, bah, on y remédie. Enfin. Enfin, un cœur bleu, quoi. Oh là là, mais c'était quoi ce rebond? N'importe quoi. Bah du coup, bah voilà. D'ailleurs, éventuellement la salle d'arcade pour remédier au problème de clé et de bombe. Ah bah voilà. Oh là là. Salle dégueulasse. Ah, ça c'est bien par contre. Voilà, gardez vos larmes. Ah là là, mais il tire comme ça et je me mets dedans. Nul. Cette salle, je la déteste. Enfer. Bon, c'est pas grave. Devil Deal à 36%. Et pas de récompense, génial. Tant d'efforts pour rien. Non, vraiment rien. Hein. Et là, on est très très faible en vie. Génial. Ah, vraiment génial. Une clé, s'il vous plaît. Voilà. Et en plus, une reroll machine. C'est Glaucom, ça. Allez, vas-y. Ah bah, ça, c'est mieux. Beaucoup mieux. Bah, il y a déjà un ennemi magnétique, disons. Ah oui, d'accord. Je n'avais point vu ce couloir. C'est très bien pour l'île Brimstone. Ah là là. Bah, on va prendre ça, hein, parce que ça serait, serait dommage de crever salement. Bon bah allons, on bosse. Mais là, début de run poussif. À cause de cette salle notamment où j'ai joué comme un débutant. Bon, le Lille Brimstone, son chargement est un peu lent. C'est quand même dommage. Allez. Allez, lunaire. Mais bon, comme on est à distance, c'est bien. Allez, si on prie, normalement, on a un Devil Deal. Allez, prions. Non. Poison, Experimental Poison. Okay. Moins de shot speed, moins de luck, mais par contre, plus de dommages. Donc ça, c'est bien. Et plus de speed aussi. Allez, on va se refaire sur les étages suivants. Oh là là, des caca excités. Ben, je n'avais pas vu cette mouche. Ce qui m'a tiré dessus, mais c'est pas passé loin. Yes, bon, D6 chargé.
Comment ça, ça l'a pas tué? Très bizarre les larmes qui reviennent comme attirées. Bon, l'eau de stone, j'aurais dû le reroll en fait. Hein. On se rend compte que... Surtout que j'ai pris le ball of bandage du boss. Salle du bouquin, oui, allez, vas-y. Oh mais non, mais c'est le bouquin de saut. Ah, ça c'est cool pour la curse room. Ah bah ça c'est très bien aussi. Super, on saute, on est content. The Hermit, oui. Comme ça, magasin gratuit. Donc, curse room. Ouais, mais curse room, je ne vole pas. On va se calmer. Sécurisons le Devil Deal, bien entendu. Putain, mais j'aurais dû utiliser The Hermit, je suis nul. Bah rien. Rien pour l'instant. Trois bombes. Trois. Et surtout, bah pas de clé quoi. Donc, ça craint. J'aurais dû utiliser la clé pour l'item room plutôt que le magasin. Au lieu de faire n'importe quoi là. Complètement con quoi, sérieux. Ou alors on essaie de deviner où est la salle secrète. Potentiellement ici, ouais. 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 Et là on prie pour des clés, hein. Et non. High Priestess. Ah, je me déteste de ne pas avoir utilisé The Hermit et de rentrer avec la clé là, vraiment. Faudrait reroll tout ça là. Pff, c'est nul. Bon bah tant pis, hein, de toute façon, hein. C'est fait, c'est fait. Fait la curse room ou pas? On fera la curse. Allez, vas-y. On sait jamais. Ok. Bah boss, hein. Ça m'apprendra. Nickel, très bonne gestion. Ça c'est du damage up je crois. On va voir. Ouh, l'œil qui fait plaisir et de la thune. Ah oh, super. Bah l'œil seulement, hein. On va pas se mettre dans le caca. Donc du coup, j'ai envie de reroll ça. Ah, un HP up, bah nickel. Nickel, nickel. Comme ça, on améliore encore les chances de Devil Deal. Hein.
Bon, on va pas essayer de faire un boss rush, hein, on est d'accord. Hein. On est un peu à la bourre pour ça. Super, les clics arrivent. Oh, et puis je vais dedans, quoi. Ah, encore eux. Alors, avec les magnétiques tirs et l'œil, est-ce que ça va synergiser? Déjà, l'œil est très puissant, vraiment, pour se débarrasser des plus relous. Genre eux, là. Il y en a encore un, je l'entends, il s'amuse. C'est royal. L'œil est royal. Oh là là, c'est quoi? Brother Baby. Et Rochelle, ok. On a trois bombes, c'est bien. Petite salle, c'est non. Oh, le poisson pourri. Enfin, la tête de poisson. Bah, de toute façon, on va... On va comment dire. On va le prendre puisqu'on n'avait aucun trinket. Et donc des mouches bleues. De temps en temps. Mais je sais pas selon quelle règle. On est bien là. On se refait une santé niveau clé. La jarre de curse, non. Ça par contre, oui. C'est d'augmenter nos chances de Devil Deal. Voilà, avant qu'il aille dans les trous et qu'il soit inaccessible. Au maximum. Alors, il y avait la Curse Room, il y a la salle d'arcade. Mais la salle d'arcade, on n'a pas beaucoup de thunes. Ouais, non. Ah, il y a un brochet marqué. Eh merde. Oh oui. Tears up qui fait plaisir. Bon, il y a mieux comme Tears Up, mais voilà, c'est déjà ça. Si l'œil pouvait être attiré par mon vortex, ça serait vraiment très bien. Il y a encore un rocher marqué, dis donc. Quelle chance. Mais j'ai plus qu'une bombe, donc... Il n'y en a pas au magasin. Pourquoi l'œil, il a fait demi-tour? Ah, c'est incroyable, ça. Allez, vas-y. C'est important. Et puis, il y a une clé en plus. Oui, au magasin, il n'y avait pas de bombe. On est d'accord. Il me semble. Ah bah si. Mais puis à cette pièce. Allez. Ah non, je vais pas faire la...
Sinon, je vais à la salle d'arcade et en espérant qu'il y ait une machine de don du sang dedans. J'adore le en espérant, chose qui n'arrivera pas donc. Attends, je viens d'avoir quoi comme objet? Ah, un HP up, j'aurais pu le reroll peut-être. Ah bah si, il y en a une. Parfait. Alors lui, il veut des bombes, mais c'est non. J'ai récupéré de la vie en faisant quoi? Ah, c'est l'espèce de... espèce de truc que je viens de récupérer. On est bien là niveau pièce. Allez, une dernière. Dernière pour la route. Et ben voilà, on va pouvoir acheter notre bombe. Tranquillement. Et on a accumulé pas mal de mouches grâce au... grâce à la tête de poisson. Ah c'est bon, le cœur a été pris. J'aurais pu optimiser, retourner à la salle de... à la salle d'arcade, mais bon. On va essayer de pas être trop gourmand non plus. En général, ça se retourne contre moi, la gourmandise. C'est pas pour rien que c'est un vilain défaut, hein. Ah, il y a des têtes de... de Heartbringer. Ouais, une. Forcément, avec le layout de la salle, c'est dégueulasse. Où est-ce que t'es? Ouais. C'est particulier hein, d'avoir ça dans une salle classique. Attends, y a pas des rochers marqués qui traînent par hasard? Il semblerait que non. Oula, dis donc. C'est dommage, hein, on n'est pas stompi, parce que sinon, il y a moyen de se faire plaisir. Bon, et donc, il y a un rocher marqué qu'on récupérera quand on sera un peu plus confortable niveau bombe. Ah merde, je l'ai pas vu lui, oh là là. Et encore un rocher marqué, dis donc. Trois clés, magasin. Ah super. C'est vrai qu'on avait besoin de lui. Voilà, garde tes larmes. 46 pièces. C'est là où le money equal power. Oh le cancer. Cancer qui donne un tears up. Un tears up de 1, plus 1 en tears up, je crois. Une clé pour ça, oui, allez, vas-y. Mais le fish head était bien. Hein. En fait, d'avoir un objet qui permet d'avoir plus de trinkets, ça aurait été cool. Oh là là, mais comment il m'a snipe? C'est un scandale! Voilà, clé. Parce qu'on a toujours pas l'item room. Oh! Non, mais c'est là qu'il faut voler, hein. C'est là qu'il faudrait voler. Horrible, horrible, hein. Mais c'est dégueulasse, cette salle! Oh, les sad bombs! Je suis pas sûr que ça soit positif ça. Hein. Tire blast. Oh là là, mais c'est immonde. Oh là, c'est dégueulasse. Et qu'est-ce que je viens de faire là? N'importe quoi. Mais attends, mais elle est dégueulasse cette salle. Ils ont pas le droit de faire ça. Oh là là. Pff, j'ai perdu. Facile. Un cœur et demi. Putain, j'ai utilisé ma dernière clé bêtement. En fait, j'ai pas réfléchi, j'ai cru que j'en avais encore deux.
On va garder cancer hein, parce qu'un bon tir rate, ça fait plaisir. Super, d'entrée quoi. Même pas eu le temps de réagir. Putain, mais direct quoi. Y a même pas un espèce de. Y a même pas un petit temps, tu sais, de. De. T'as le temps de réagir quoi. Non, non. Horrible. Juste horrible. Faut rester en diago. Il y a du sang partout, il arrête pas de sauter. Je déteste ce boss. Bah viens du coup. Voilà, il y a ses yeux qui font chier. Qui font des rebonds imprévisibles. Putain. Saloperie. Tropicamide, tier size et range up. Là, je suis un peu. Voilà, quand même, je suis. Voilà, Curse of the Lost, ça fait plaisir. Putain. En plus, mon damage 4,50, peut mieux faire, quoi. Bombe. J'aurais pu faire les rochers marqués là, cette précédente, on est d'accord, hein? Ouais, ouais. J'ai complètement zappé. Parce que quand j'ai eu les 7 bombes, bah, j'ai eu 5 bombes supplémentaires. Je les ai même pas utilisées. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il y en a ici. Ça m'aurait permis peut-être d'avoir le level D à l'étage précédent. Voilà, hein, j'ai encore des mauvais réflexes, des mauvaises habitudes. Des. Ça c'est bon à savoir hein, que le que ça attire vraiment les drops. Ok, on repassera. J'ai envie de le reroll stop. Oh là là, mais il esquive. Oh là là, mais c'est pas vrai. Et putain, mais sors de là, quoi. Oh là là, mais... putain, il me troll. Oh là là. 10 bombes, allez, vas-y. Vas-y. Vas-y, réveille-toi là. C'est quoi cette carte? The Devil, oui. Qui fait un peu Book of Belial, quoi. Mais non, mais pas ça, quoi. Tout le monde s'en fout des haricots. Encore une salle agréable. Bon, le tir rate fait plaisir, hein, par contre. Il faut le reconnaître. Oh, sac aide, oui, bien sûr. Plutôt, ça aurait été mieux, mais on va pas se plaindre. Oh! C'est bon, on n'est plus inquiété par les clés maintenant. Merde, et je reste proche, quoi. Nul. Nul. Ah, c'est ça, les sad bombes. Ace of Clubs, c'est les bombes. Ah oui, mais non, mais... Ah putain, je suis con. J'ai cru que c'était Two of Clubs. Pas très attentif, là, cet après-midi.
Oh là là. Finlande. Est-ce que j'ai tout fait ici? Ah non. Très bien, on va pouvoir retourner dans l'item room pour reroll le truc dégueu. C'était pas là. Normalement, je suis safe parce que c'est très difficile pour les ennemis qui rebondissent comme les poupes. D'aller dans les couloirs de 1 par 1. Ah, d'accord. C'était là le haricot, hein. Un HP up. Il n'y avait pas des rochers marqués, non? Visiblement non. Ah non, mais vraiment pas en fait. Salle d'arcade, on a de la thune, hein. Oh. Ah, Galas. Oh, très bien. Déjà, bon, deux cœurs bleus, on va pas se plaindre, au contraire, on va essayer de garder. Ouais, mais attends, mais au magasin, il y avait... Si, il y a une machine de donation au magasin. On est à Devs 2, donc on va la vider. Et puis, comme ça, on a mis 30 pièces de plus. Chose qu'il faut faire. Donc là, c'est fait. Agalas Destruction. Il y avait pas une salle où il y avait plein de rochers, ou c'était à l'étage précédent? Je crois que c'était à l'étage précédent. Où j'ai oublié... comme un nul d'aller chercher les rochers marqués. La salle du haut là pouvait être intéressante. Bah c'est bien, on a pu mettre nos 30 pièces sans qu'elles se bloquent. Ah non, rien du tout. Rien du tout. Où est le boss? Probablement par là. Je vais être patient, hein. Parce que c'est un coup à me faire toucher. Ah d'accord, il y a eu l'effet de mort. Horrible, hein, salle. Hein. Encore une fois, horrible salle. 14 bombes, est-ce qu'on essaye un peu les super secrètes? Hein? Voyons. On va être riche ou pas? Two of Hearts. Ah merde. Je l'ai un peu mal utilisé le Two of Hearts. Je sais plus ce que fait Strinket là. Plus de chances de trouver des cœurs rouges, je crois. On va retourner au magasin. Pour mettre l'argent. Mais bon, là, il y a des chances qu'elle se bloque quand même, hein. Ou pas. Génial. On est bientôt à 300.
Bon, pas de rocher marqué, hein. C'est déception. Et la maman. Ouais, non. Cœur rouge, ça m'aidera pas beaucoup dans The Womb. Hein. Cancer va plus m'aider, hein. Merde. J'ai fait vraiment un... Oh putain. Ça c'est vraiment dégueulasse. La zone safe en fait, elle est minuscule. Putain mais lâche-moi toi, c'est quoi ce sac à PV là? Oh là là, mais j'ai même pas eu le temps. C'est une honte. Mais quoi? Mais la mouche, elle m'a rushé, quoi. C'est nouveau? Ça peut pas faire ça, normalement. Qu'est-ce qu'elles ont, mes larmes, là? Oh. Putain, mais... Épuisant, ce combat, épuisant. Bon, 100% de Devil Deal, mais bon, là, on n'est pas dans des super conditions. Curse of the Darkness dans Utero. Oh là là. Je sais pas ce que ça aurait fait de reroll le négatif. J'essaie de voir les rochers marqués. Donc Curse of Darkness, c'est pas ouf. Hein. Fantastique. Il manquait plus qu'elle. Ah, ça va, ça va. On a le négatif qui fait son effet, 6-19. Ça, c'est non. Ah non, mais c'est horrible, une salle pareille. Non. Ça me semble compliqué, hein, de... d'arriver à Isaac avec ce build. Très très compliqué. Attends, il est là-haut. Putain, on voit rien, c'est horrible. Ah, c'est bon. Fait plaisir ce petit cœur bleu de random. Je vois pas de... Je vois... Ah si. Non, même pas, non. Ah non, j'ai cru. Oh, fantastique. Je me suis fait toucher par le sang du gurgling, je l'ai pas vu. Vénère. Oh là là, le traquenard. J'essaie de trouver une safe zone, mais visiblement c'était compliqué.
Venez, venez à moi. 14 bombes. Pourquoi okay. Ah, ça c'est bien. Il a popé au bon endroit, lui. J'ai envie de dire... est-ce que franchement, on a encore envie de reroll les objets? Il n'y a plus de... Ah si, pour les objets de boss. Ouais. Éventuellement. Où est le boss? Isaac a tué le cœur, hein, je crois. Ouais, il faudrait vraiment qu'il se batte lui-même, en fait. Putain, mais il a... C'est d'une injustice, ces déplacements, quoi. Pourtant, j'ai 1,50 de vitesse, quoi. Je devrais être capable de réagir. Ouais, bah, forcément, c'est la seule salle que j'ai pas visitée. Donc, voilà. Putain, il se planque, le salaud. Bon, bah les clés, on sait plus quoi en foutre, hein. Quand même. On en a un peu beaucoup. Pas de rocher marqué à l'horizon. Horrible. Horrible. Oh là là, mais c'est horrible de cette torture! Un cœur bleu ennemi, inaccessible. Ah ça va, c'est lui. Il est gérable ce boss, heureusement. Oh oui. Jamais on reroll ça. Jamais de la vie. Oh, Book of Seven Sins. Pour générer des objets. Ça se reroll? Ah oui, Sister Maggie! Bah oui! Conjoin, oh là là, allez, c'est bon! Enfin! Enfin une évolution positive dans ce build! Oh là là! J'y croyais plus! Hein. J'ai dit, vas-y, Isaac, il est vraiment condamné à faire des runs pourris, quoi! Allez, un womb normal! Voilà, et tout de suite, hein, on tout de suite, c'est déjà un peu plus safe. Hein. Oh. Ok. Voilà, horrible cette salle. Ça va, on peut gérer. Ça se gère, ça se gère. Putain, mais vous étiez combien? Oh mon dieu. Ah, on n'a pas encore eu de pilule, dis donc. Ok, tears up. Shot speed down, c'est pas si dégueulasse parce que... Du coup, plus de DPS. Enfin, plus de tic. De hit. Des larmes. Parce qu'elle reste plus longtemps sur les ennemis. Donc, why not?
Donc le combat contre Mom Hard va être déjà un peu plus... Oh, et avec ça en plus. Va déjà être plus agréable. Two of Hearts, on s'en fiche. Magician. Rocher marqué ou pas rocher marqué? Après bon, on est de nouveau bien niveau cœur bleu, mais... Bon. Voilà là. Pas de Devil Deal. C'était le dernier en plus, donc dommage. Mais au moins une cathédrale. Et donc un Isaac. Bonjour. Oh putain. J'ai joué au con là. Oui, d'accord. Anarchist Cookbook. On va pouvoir le reroll, hein, celui-là. Ouais. Oh, Dry Baby. Mais j'aurais dû le tuer, lui. J'attendais quoi? Strinket, l'île larva de Poopies Moving. Non, on va garder cancer. Hein. Avoir un meilleur tir rate, c'est quand même plus agréable. Ah, il y a encore ceux qui jettent les pots là. Espèce de petit bâtard là. On a des bombes, hein. Des bombes qui pleurent. Oh, le petit cœur bleu gratuit. Voilà, c'est à ce moment-là que la run devient cool, mais elle a mis du temps. C'est vraiment horrible, ces monstres. Tu les vois qu'au bout d'un moment, ils te surprennent en te jetant des... Je crois que je les avais tous eus. Voilà, oh, la salle est un peu dégueu. Il y a eu l'effet de mort. Ah, c'était Dry Baby, peut-être. Parce que je crois que lui, il peut faire ça. Oh oh, Balls of Steel. Ouais, c'est bon. Hein. On va chercher Isaac. Maintenant, on n'en est plus à optimiser. Hein. On en est à terminer cette run. Après, si le build est bon, ça peut continuer The Chest. Hein. Donc, on va peut-être pas non plus être... bouder les offrandes. Mais pourquoi je fais ça? Je suis con, il y a déjà... Je suis déjà max... Je suis déjà max cœur bleu. Oh, encore lui. Voilà, on va le shooter en diagonale, hein, bien sûr. La revanche sur The Bloat. Eux, c'est des nouveaux ennemis, hein. Ils n'existaient pas avant, hein. Enfin, je les ai jamais vus. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'ils se cachent. À un endroit où c'est chiant de les avoir. Et vraiment chiant, là. Mais il est où le boss? J'ai jamais su ce que c'était les couronnes sur les ennemis. Ah, le boss. Putain, mais... Ah,
Avec l'œil de Sauron, on est presque tranquille. Hein. On va juste faire attention. Ah merde! Ça, je me fais surprendre par ça. Allez Isaac, laisse-toi faire, c'est bon, t'as perdu. Ok, tu me fais ta dernière attaque là. Et maintenant ça s'arrête là, pas de just chest. De toute façon, je crois que ça se déclenche pas. Hein. Tant que j'ai pas le Polaroid. Et c'est la fin de cette run. Isaac Steers est apparu dans le sous-sol. Et nous, on s'arrête là pour cette run. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez un pouce. Et puis, allez voir du côté de Twitch. Pour la énième fois. Allez, la bise.